de punch. Alors moi je suis fou, j'ai jamais eu un aussi bon stuff dans que ce soit dans une game ou en RR. Je n'ai jamais vu. Mais moi déjà la sharp cache je l'ai fait tous les du mois, j'ai un power de punch avec un full P3 et un P4 en plastron, what the fuck quoi le stuff. Ouais j'ai un punch. Ah non merde je l'ai eu avec le. Ah putain c'est très con ça. Ah, c'est moi, mais c'est punch 1 ou c'est punch 2? Faudrait que je... Au pire, je le balancerai, c'est pas grave. Ah putain! Bah, t'as des livres d'ailleurs? Là que tu filmes? Oui, tiens. Merci. Voilà. Bon, du coup, maintenant, je pense qu'il y aura plus grand chose de rentable avec ça. Est-ce que tu veux de la sharpness en bouquin? Ouais, s'il te plaît. J'ai eu du P3, et là j'ai du P2. Je suis de la fortune. Tiens, Charles. Feather Falling 2. Il y a juste mes bottes. Oh, putain, Feather Falling 4 pour 28 levels. Oh. Feather Falling 4 hein, pour 28 levels. Protection 3 pour 28. Bon, on y retourne. Bon, bah allez, c'est parti. Allez, c'est la allez, à toi. Ouais, c'est la dernière là. Parce que sinon, on n'en finit plus. Mais j'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un stuff comme ça. J'ai jamais vu un stuff comme ça. Non c'est bien justement. Non c'est notre clé, c'est nous pour nous, pour nous. Ah, c'est bon. Qui l'a pris, ouais. C'est ouais. Je crois que c'est d'autres qui l'avaient pris, non. C'est qu'on était menacés du coup. Alors. Oh, petit Feather Falling. T'es pas prêt pour le stuff que j'ai. J'ai Sharp 4. Du casque jusqu'au bot. Protection 3, protection 4, protection 4, protection 4. On est intuable. Ah ouais, putain. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Bah moi maintenant je vais péter, je pense, et je vais juste Bah vas-y, je hein. Juste, je pète tout ça, puis juste j'augmente le protect, quoi. C'est quoi ton stuff, là? Je suis pas très bien, moi, je suis P3, P3 casque, P3 4, P3, puis Feather Falling 4, genre, je sais pas. Et le pantalon? P3. Ah bah c'est bon, t'es full P3! Non. T'es pas full les, P3? Les bottes, j'ai pas de protection, j'ai que du Feather Falling, et ah. Le plastron, je suis Le plastron là, je peux mettre le. Ah bon, toujours pas.
Bah, le plastron, en fait, je suis proche prod 4, Storms 2. Donc, ça, je pense que je vais peut-être pas le toucher, le plastron. Mais... Non, non, bah, t'es bien. Moi, je suis full, quasi full P4. Donc, là, clairement, je suis allé au front. Je vais y aller de toute façon, en corps à corps. Non, je pense pas que je peux mourir en corps à corps. Moi aussi, je vais y aller, mais là, il me faudrait du protect, quoi. J'ai plus de niveau. Si tu veux, on se déplace en revenant et on mine l'XP et on s'enchante à la maison. Vas-y, bah attends. Moi, je propose de faire ça parce que si on continue à s'éloigner, ça va pas aller, quoi. Non, on s'éloigne pas, d'accord. Donc, ok, attends, j'ai des bouquins sharp test, je prends ce que j'ai sur moi pendant ce temps. Ok, j'ai du protection, c'est bien. Juste tous mes niveaux, là. Ok, t'as des pommes rouges. J'ai tout transformé, sorry. Bravo. Ouais, c'est là. Tu rallumes le bordel, attention là. Tout bien. Hop là, ouais. Pète. Bah, what? Oh putain, ils vont péter un merde, non. T'inquiète, j'ai une pioche en diams. J'ai une pioche en diams. Oui, mais ça. Tu vas pas pouvoir le refaire? Bah, si. Hop. Maintenant? Bah, si, regarde, hop. Ah oui. Oh. Ouh. Ah ouais, bah, on est bien, heureusement. On y va, allez, go. Allez. On part. Nickel, mec. Part. On va se chez nous. Ah non, pas du tout. Oh, la base. Viens. Bon bah allez, on remonte. Hein. On fait quoi? On remonte là, on fait quoi? Non, on remonte là, on va remonter au château. Hein. Mais non, parce que là, il y a le centre. Revenez vite, ouais, bah faut y aller. Ok, nice. Parfait. Hop, moi je rentre. À toute. Salut. Salut. Bon, les mecs, stuffez-vous vite, on va. Je suis full P4, Sharp 4. Parfait. Ouais, moi presque. Vous avez des pommes rouges. Des pommes rouges. Si jamais on tue les verts, enfin, si jamais on pose la bannière chez les verts. Oui. Après, on devra attaquer les jaunes. On bute qui, nous, tu dis? Non, on doit buter les verts. Ouais, non, on doit buter les verts. Donc là, du coup, la clé qui a été prise, c'est vous. Oui. C'est toi qui allais la prendre, donc ça veut dire qu'avec notre clé maintenant on peut attaquer. Mmh. Et là t'es allé prendre la bannière aussi. Ouais. Okay, et est-ce que. C'est nickel. Donc, je récapitule. Ok, vas-y. Vas-y, je vais juste déposer dans le coffre. Random, okay. T'as des pommes rouges? Non. Ah putain. Attends juste deux secondes parce que moi je vais reprendre. Prenez les popos dans les coffres, il y a deux des popos et on y va vite. Ok, go. Prenez le popo de chaque, je pense. Et s'il attaque ça? On y va. Est-ce que t'as des pommes rouges? Quoique si l'un de vous est chaud, rester, go rester. Hein. Parce qu'à tout moment il pose sa bannière, on est mort. Hein. À tout moment, il y a quelqu'un qui vient avec une bannière et on perd. Oui, aussi, mais la bannière elle se pose où dans les châteaux? Ici, ouais, il y a deux pommes dorées, mais. C'est ici. Ah, là-haut, là, dans le. Ok, c'est okay, bon. Ouais, mais du coup, je propose que si Atax et l'un de vous deux restent ici. Bah, pour. Ouais. Pour défendre en fait, tout simplement. Bah, moi je suis full P4, donc je me demande si je peux aller au front parce que. Si t'es full P4, en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Ceux qui sont moins bien stuff, go rester ici. Ouais. Après. C'est que nous, si on va se faire péter si des gens arrivent. Ok, venez. Go. Ok. Oh les boulets, je te jure. À tout moment, il pose la bannière, c'est fini. Hein. Pas de nous aussi. Ils sont où? Si attaque, monte en haut au cas où. Hein. Ouais, monte à la bannière. Attends, je fais le tour des arbres. Bah y'a personne. Il est monté. Ah mais il est parti en tout cas. Non, il est pas rentré, il était parti. Le kill l'a poursuivi à l'extérieur mais... Ah d'accord, ok. Alors allez où la bannière pour savoir, je... Il faudra la poser. Notre équipe l'a prise, les bleus ont... Oui je sais, mais c'est où qu'on pose les bannières? Alors moi ils sont censés le poser ici. Ah ici. Ici hein, pour défendre. Oui, je sais. Ah, ça me stresse tout ça. Ah, bah moi aussi je suis stressé. Hein. Oula. Ah, je sais que mon chien commence à perdre. Ah, ouais, ça marche beaucoup mieux. Mais c'est à cause des DJ, ça m'a matrixé. Vu qu'à chaque fois c'était celui-là que vous avez plus de pommes. Est-ce que t'as des potions sur toi? Non, j'en ai deux dans mon corps quand même. Bah, prends-en deux surtout.
C'est, enfin, une potion de force et une potion de speed parce que. Parce que vraiment c'est fort. Vraiment. Bah attends, vas-y, je continue, tiens, on a 15. Ouais, attends, je vais te les chercher, je vais te les chercher. T'as des pommes, Siatax? Oui, oui, j'en ai 5. J'en vais bien. Bah vas-y, va en faire des golden apples en haut si tu veux. Ouais, bah j'ai. Dans le coffre de Popo. Attends. Moi, déjà. Où ça? Ah, tu dis bleu chez nous. Ah, ok, il me fait trop flipper. Il y en a un là? Bah, go! Go les mecs! Oh putain, il a dû te rendre. Fais gaffe qu'il soit pas. Faut qu'il y en a qui soit à l'entrée, les mecs. Faut qu'il y en a qui soit à l'entrée. Faites gaffe. Il y a un gars là, il y a un bleu là, les mecs. Il y a un bleu là. On est pas en train de faire du zombie, hein. Oh non, c'est bon, il va se barrer. Faut regarder à l'entrée. Mais il parle pas. Ah bah, c'est des gars, tu sais. Mort définitif. Il est en bas. Il a aimé le jet, ouais. Ouais, il a aimé le jet. Dommage. J'ai failli sauter, hein, pour aller saucer, hein, vraiment avec mon stuff. Si on voit, il y a plein de mecs qui arrivent, on boit l'opération de force. Avec les pommes qu'on a, on pré-gap. Et si on gap au bon moment dans le combat, on peut facile 2v3, surtout avec le stuff que j'ai. Franchement, ça passe. Ok. Luan est mort. C'est correct. Putain. Ton placeron, il a bimé ou pas? À peine, ok, attends. Ouais, attends. Ouais. Pourquoi? Y'a quoi? Ok. N'hésite pas. C'est quoi ton plastron? Il est quoi ton plastron? Il est quoi? Et deux? Ok, file-le-moi en vif. File-le-moi en vif. Ils sont là. Bois les popos. T'inquiète, je peux sur le 1v2, y'a aucun problème. Oh, ça lag. C'est bon. Bougez les mecs. Nickel. Voilà. Bien joué. Non. Ouais. J'ai pas d'écoute. Non, je te jure, je veux juste choper jusqu'à la fin. Moi, j'ai fait un kill. Ouais. Non. Alors, j'ai saucé un mec. Par contre, dans le gros combat, il me restait genre 8. Enfin. Ils m'ont enlevé que 8 heures, donc en vrai, en full P4, c'est le bon. Tank. Mais moi j'en suis ici, hein. Siatax, viens, donne-moi ton placement, je te le mets en P3. Bah du coup, quelqu'un doit récupérer la clé de la bannière. Attends. Tu l'as pas fait? Si, j'avais, mais je suis mort du coup. Ok, tiens. Du coup, faut que j'aille. Au pire, tu me dis les directives et je vais le faire. Bah, faut aller au mid, t'es. Ok, bon bah, j'ai au mid, j'ai gardé le mid. Faut prendre la clé, et puis on prend la bannière, et puis voilà. Ok, on a perdu la clé, ok. J'ai vu les. Par contre, les verres ont l'air d'être bien.
Il est où ton rouge là? Oh non! Ça va être compliqué hein. Sakuna, faut pas que tu meurs à la bannière. Merci de l'info. Ah, il y a les... Non, me tape pas les sapins, il y a les bleus... Enfin, les verts derrière. Au revoir et bonjour. Hop là. Faire attention. Trop tard. La game est déjà bien entamée. Les jaunes sont déjà hors jeu. Les bleus qui font un adversaire de taille. Les verts qui sont assez sournois. Et puis au milieu, il y a nous. Est-ce que les deux teams vont s'allier contre nous? Ou même les trois teams? Est-ce que ils vont jouer chacun de leur côté? Ou nous allons les éliminer un par un? Tout est là, la complexité de la saison 3 de The Sky Battle. Et ben on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode, et ce sera le dernier de la saison 3 de The Sky Battle. Oh là! Fais gaffe, bon.